les réseaux sociaux, gagne justement vidéo, une séquence de émission sénateur Edo Zeni, donc sur Radio Peuple, chaque week-end que le fait, côté que lui-même est clair sous question ça que président Martelly, donc non, il y a opposition en silence face au président Jovenel Moïse. Le malaise est là. Et nous songez, bah, vous rappelez ça encore, correct, dans le festival côté 40 ans TNH, Martelly était lancé pointe là, et ça a été prouvé que malaise là existait. Parce que le jour que l'elle était président, parce que si m'pa la petite m'a dirigé, tout sa petite m'a fait moins le représenter. Donc si lui dit l'elle était président, ça qu'a fait la patte là, c'est que lui prend distance lui avec et Jovenel Moïse. C'est comme ça m'te well moi-même. Bonjour sénateur Edo Zeni, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Nougo, salut tout le monde net Matin Débat, puis Matin à tout. Et d'Aïki, je ne sais pas si là. Et ça vient. Ok. Et ça m'en a dit. Tijan. Salut tout le monde. Salut staff radio à tout. Moun qui cap émettre des consoles. Salut tout le monde. Très bien. Sénateur Edo Zeni, matin, nous pouvons regarder. Actualité, nous pouvons regarder la conjoncture là. Mais nous pouvons surtout regarder tout, en fait, intervention côté fait sur Radio Pep. Et dans l'académie qu'on gagne chaque week-end, donc dans la radio, et sous question politique pays. Alors, intervention dans tout le monde sur les réseaux sociaux, et matin des juges nécessaires pour nous défendre parler sur ça. Est-ce que vous êtes à l'aise entre le président Jovenel Moïse et le président, et l'ancien président, donc Joseph Michel Martelly? Bon, et ma première question, mais normalement, c'est à président Martelly pour ta répondre. Ouais. Mais comme on a fait politique, mais même à ce que je sache, depuis le Jovenel fin prend pouvoir, il démarque de Michel Martelly. Okay. Et ça c'est parole. Et parole, grand pile monde qui pas connaît, grand pile monde qui toujours comprend, et que Michel y a des très bons rapports avec le président Jovenel, parce que le président Jovenel soit dans une situation économique très critique avant que le monte comme président de la République. Et donc, c'était nous-mêmes, même personnellement, qui t'a fait politique, qui était magistrat en ville, qui est sénateur de la République. Et nous t'ai embrassé cause là, parce que Michel Martelly t'a décidé, et m'a tout doutour que moi, pas dans le PHTK, nous sommes alliés directs de Michel Martelly. Il faut faire cette différence. Très bien. Et m'a lié PHTK. Mais c'est clair, mais faut d'accord tout que de vous parler, c'est tout pour le considérer, c'est Michel Martelly qui parle. Et vous confirmez ça maintenant. Bon, c'est un coup. C'est qui a m'a dit ça? C'est à. Bon, m'a dit non, mais c'est pas ça lié, parce que okay. Michel Martelly, qui a parlé pour le dire à la nation. Et je dis à m'a dit, fort. Et sûr, moins sûr que va le raconter Michel samedi, parce que c'est sûr qu'il n'est pas attendu là pour le moment, parce que au fond de l'ami qui j'avais. Mais Mabdou, que le président Michel Martelly, l'ex-président, je pense qu'il doit s'excuser à la nation et pour ce mauvais choix. Et je pense que le président Martelly devrait. C'est une grosse déclaration, oui, le sénateur fait là. Oui, c'est une grosse déclaration. Je ne fais pas de déclaration pour moi. Je fais pour la nation, je fais pour l'autre monde qui a vini, je fais pour l'autre monde qui prend le candidat pour nous suspendre, prendre des candidats à la volée, pour nous suspendre, prendre des mounes pour nous sauver une situation. Vous avez compris, non? Et le pouvoir, l'op gagne. Et alors, c'est pas 4 plaques finies, non? non, il va pas faire ça. Moi, non. On va connaître les dit les oui. Alors, sénateur là. OK, très bien, on allait. Oui. Si ou c'est aspirant ou pas le candidat ou bien mon parti politique par exemple PHTK, il faut que vous préparez même les gens et la République dominicaine les gars fait là, il a préparé 2024, 2028, 2030, 2040. Et dans le parti politique là. Son gros déclaration ce matin là, vous êtes sénateur des années. Son gros déclaration. J'assume toute déclaration mieux. Et je regrette une seule déclaration que je fais
sur des familles en dehors avec une petite tuyau ouais, mais je dis pas que doit dire tuyau mais en fin de compte et m'a pas dit m'a pas continuer pour me dire vous méritez ça mais quand même pour me pas tourner sur ça yo nous qui tu pas on avance n'a pas avancé pour nous dire que il y a malheureusement de nous exister depuis le Jovenel Moïse pour pouvoir et d'ailleurs me dénoncer tout le temps et d'ailleurs chaque temps parler dans la radio je veux dire parce que qu'on veut qu'on pas vrai nous sommes pour Dieu Michel Martelly pas du pouvoir cette PHTK pas du pouvoir cette Cali et faut nous faire différence ça parce que moi j'ai parti politique pas dans le département sud-est pas PHTK OK nous sommes alliés de Michel Martelly donc alors il y a des mon capitaine de là qui a dit que et position qu'on gagne là c'est parce que justement suite à dernière intervention qu'on a fait et dans rapport avec Jovenel Moïse et c'est parce que il y a des barrières de jeunes dans le pouvoir ou pas de jeunes il y a des gens qui capable ouel comme ça c'est pas le cas non bon écoute mon nom c'est Edozin barrière de n'importe monde fait non même construit non moi papa me construit non dans le département sud-est il a laissé ce qu'il a laissé on continue sur route là pas de problème personnel avec Jovenel mais j'ai problème moi pour me dire bien que je fais une déclaration, c'est le premier problème là. Je fais une déclaration parce que le président de la République, le département de Mfel, mais il expliquait certaines choses sur des familles dans le pays et il était voyé des documents archivés par moi. Eh bien. Donc sur ce, j'ai réagi parce que je pensais que mes petits-enfants, mes enfants, ont des problèmes. Pas même nous, je suis un il y a 50 ans. Et petit, mais aucun problème. L'homme a des familles qui ont fait 10, 15, 20 millions de dollars US. Et pour moi, l'on pays, moi, je pensais que nous avons un problème, ou nous avons bourgeoisie qui ne pas travailler, nous avons bourgeoisie et qui sont bourgeoisie, comme toujours dit, salope, qui ont un problème dans le cerveau. Donc, je dis à la, je fais déclaration. Je fais une déclaration, le président de la République a eu le tout père de monter avion avec même Mounzaïo, là, en France, ça fait 10 jours. Voilà, mes côtés problèmes ont commencé avec le président Jovenel Moïse. Ok, qui ça, et vous pensez que le président Michel Martelly, ou du moins l'équipe de Michel Martelly, t'es qu'à reprocher Jovenel Moïse? Qui ça? Écoute, le président Jovenel Moïse avait bien dit, et même personnellement, il a dit, nous sommes chez nous avons fait une campagne pour lui, des chefs campagnes dans le sud-est, nous allons entamer la doctrine de Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, si quelqu'un qui n'est pas condamné, je fais l'éloge de Thomas Sankara, c'est mon idole, mais de surtout, il m'a fait son nez qui dégaine au principe, on côté pour aller avec le pays. Le président Jovenel Moïse avait promis qu'il devait corriger les erreurs de son prédécesseur, de Michel Martelly. Donc, il fait plus. Il dit que Michel Jodia, président Martelly Jodia, a accepté que je fais erreur. D'ailleurs, je n'ai rien dit. Moi, j'ai juste interprété et les paroles de Michel Martelly, de l'ex-président. Je n'ai rien dit. Moi, j'ai juste interprété. Et ça, Michel dit clair que le pays va mal. Le pays a plus mal que l'été fait maintenant. Le président Martelly dit que l'été là, touriste est au top, que sécurité n'a pas de mal, c'était au top. Et ça allait, ça marchait. Il bien dit tout, que il regrette que du pas de son barail. Et c'est un bail conjoncturel, c'est un bail structurel que j'ai fait. Le président Martelly a bien parlé. Jusque-là, je répète ça, le dire. Et même, je continue pour me dire que, M. Jovenel, c'est un foudou. Monsieur le président, c'est un foudou. Jovenel Moïse, c'est un foudou. C'est un foudou. C'est quoi les garçons dit ouvert la matin là, oui? Il est un foudou. Jovenel Moïse, c'est un foudou, son monde foudou. Oui, son monde qui pas prend la rue, qui pas prend la rue pour la boue, oh, tout le monde marche tout tourné, mais c'est un foudou. Dans un pays organisé, et même genre, si monsieur opposition a fait faire la chambre de BDA, il faut faire un psychiatre. Sortez-moi là. Oui, il faut faire un psychiatre. Quoi, les gars, sont vraiment dans la rue, c'est l'entrée de Zony? Oui, il faut faire un psychiatre parce que il a des problèmes. Parce que le pays, le Cali, au monde pas besoin de monde que le pays a marché mal. Tout le monde a mouru là. Pas de monde qui va mourir là, nous avons des petits peuples. Tout le monde a mouru. Mais même, nous avons perdu le caillou là, nous avons perdu l'hypothèque, nous n'avons pas qu'à payer la banque. Mais même, comme si tout le monde a un problème. Tout le monde a un problème là. Pas de ce petit maléré là, je maléré à l'écoute. Maléré a toujours un problème lui-même. Depuis le fait, il a un problème. Il y a des gens qui ont mis en force, mais même, je ne vais pas manger. Mais c'est l'emballage.
Donc, mais même qui va qu'on mette celle en balle, qui va venir mettre celle en balle, il peut dire pour moi qu'il n'y a qu'on mette celle en balle. Mais même qui était en l'air, après que j'aille chez nous, qui va tomber, parce qu'il pourrait tomber à devant. Parce que si il y a un pour ça, par exemple, il y a un cap qui a payé la banque, il n'y a même pas bien qu'on soit bien. Moi, arrivé, si va être contre tout comme là, il y aurait le bureau du monsieur Denis, vous n'avez pas encore payé. Ça va gagner. Même des îles, il y a une ville, Jacques Mel, qui a fait tiba en relation avec moi. Mais, il paye avec 10 jours, 15 jours, 20 jours. D'ailleurs, parce que sous barricade, pour venir toucher, oui. Très bien. Elle dit, mais aujourd'hui, on fait barricade pour venir la gare du jour arrivé. Très bien. Sénateur Edozeni, et je vais parler à la. Il y a des gens qui comprennent que j'en parle à que vous faites partie de notre équipe. Mais je dis à pas oublier que c'est 52 présidents Michel Martelly qui viennent bailler jeudi à un président Jovenel Moïse au pouvoir. C'est la même équipe. Maintenant, ça va proposer là, jeudi à là. Il y a des gens qui gardent que, écoutez, c'est la même famille. Et est-ce que, par contre, démarcation quelque part qui commence à faire là, non? Ah non, mais même mal depuis quelques jours. Par contre, le président, mais ma chauffe est président. Marc chauffe Michel Martelly pour faire des dégâts pour avancer. Uh-huh. Si la, ou bien président fait politique ou bien fait musique. Ouais, s'il a fait musique, moi je suis un fidèle de Sweet-Mickey. On va incontester. M'a toujours dans le Sweet-Mickey, il n'y a pas de problème. Uh-huh. Mais c'est, il faut faire un choix parce que je dis à là, le pays, pays à la dérive. Affaire des nègres fait malisation pour moi, je venais être un football, va voir. Dis mais on met classe et pays. Et puis d'ailleurs, même. Mba jom prône pour le président Jovenel Ali. Mba jom prône ça. Mba besoin d'aller parce que là, il y a plus d'instabilité. Même besoin que le quitte, même j'aime dire pour le président Aristide, mba l'envoie aller en qu'un président. Parce que la stabilité commence par quitter le président Fernand, quitter le bêtisé, et puis l'opposition se prépare pour prendre le pouvoir. C'est comme ça dans tous les pays, côté que démocratie et côté que mon éclairé. C'est pour que côté pas mon éclairé, Abdou. Tout a manifesté pour craser, briser, voilà, faire mon réjouvenel. Laissez pas l'intérêt. L'intérêt, c'est quitter le certain lieu, et puis qu'on y a là, il ne pourra plus être président, en rien à payer encore. Il va le manger, ça le fait. Monsieur, reste là, c'est là, sénateur. Sénateur. Oui, oui. Ne serait-ce qu'à craser tirer ce qui était là, parce que si l'a continué, c'est de mal en pile bralé, est-ce qu'on va demander pour le continuer à rester pendant ce temps, le pape dirigeant rien? Non, le problème qu'il y a, c'est que mon libal vigne, pas le faire rien en plus tout. Eh ben, c'est le problème là. Okay. Ça veut dire, si vous avez un monde qui était préparé, ou une opposition qui était préparée, ou une opposition qui était promette, qui était projeté en bagage, qui était dit, voilà, mes côtés doivent aller, mais l'opposition. Ces jours-là, il a besoin de jeter pour aller en place, là, pour le retirer du délégué, pour le retirer mon dans tout un bail international, pour mettre mon bail pour le pouvoir. C'est autre que je m'y mette, je la donne. Et ça fait m'dou, pendant que l'opposition lui-même tout, l'a contribué dans faire payer un mal, parce que chaque temps de crasé, il barré, la rue, bail au vintichet, américain monté. Donc c'est laisser le président faire bêtise, mais au moins la bonne seule entité qui a fait bêtise, c'est le gouvernement. Mais ou même, par exemple, au target dans le Parlement. Le Parlement, je suppose, je vais dire, d'ailleurs, on va être capable de comprendre. Et regardez, l'homme du président, son monde froid, on fout d'où. Ou à l'attaquer Joseph Lambert. Est-ce que le président pas fou? L'attaquer Edozeni, bon, je dis en bas, moi, je suis un citoyen. Donc, moi, je suis un commerçant qui peut-être pas besoin de Jovenel pour faire rien pour moi, tant que j'aime mieux comprendre. Mais l'on attaque Joseph Lambert. L'on perdu Joseph Lambert, est-ce pas fou? On est qui t'a allié, on allié sûr. Ok, maintenant, sénateur Edozeni, où est-ce que vous dites là qui est très important? Vous dites que l'opposition se prépare, là, c'est dans un premier temps. Après, ça vient dire que les gens qui sont là, en fait, et dans l'opposition là, donc c'est des gens qui veulent jeter le pouvoir pour, en fait, jeter le Jovenel Moïse pour être capable de prendre le pouvoir. Est-ce que ça t'a dit que nous-mêmes, au niveau de l'équipe de Michel Martelly, entre guillemets, l'équipe de PHK, n'a pas organisé nous pour nous faire opposition en face de Jovenel Moïse? Bon, Babo Baptiste, mais même mon opposition déjà. Mais si le président Martelly ne s'aligne pas pour venir
peut-être bah là pour faire opposition correct là et 2022 bah quoi le président Matéli va dire il est candidat. Donc ça veut dire que si nous parlons opposition, elle dit que comprenez bien madame monsieur, nous même capteur d'interview ça avec sénateur Edouzini. Il y a deux bagages importants, il y a deux bagages importants que le sénateur a dit. Un, il parlait de l'opposition, que l'opposition se prépare. Se prépare. OK, après ça, d'où que moun ki la on a opposition ki la yo là, c'est pas moun justement et qui ouais pays vraiment, c'est des moun qui ouais pouvoir jeter journal puis eux même yo capable vinn prendre pouvoir. Et maintenant, la dénoncer pour journal là, ça veut dire que je dis là l'équipe de PHK ou du moins entre guillemets l'équipe de Michel Martelly nous t'en route là pour nous faire opposition pour nous acheter Jovenel pour nous-mêmes nous reprendre comment situation. Non, nous pas besoin de jeter Jovenel. Mais même, moi bien dit, nous pas besoin de jeter Jovenel. La question maintenant, comment corriger tout ça? Nous d'accord que Jovenel pas bon. Nous d'accord que la mal dirigée, les relations pas bon entre les deux équipes. Maintenant, comment corriger tout ça? Comment vous-même vous correction? Bon, j'aime ça dire sur opposition. Pour opposition, il faut que le président Matéli, soit que je fais musique, soit que je fais politique. S'il a fait politique pour rassembler tout le monde qui débat le pouvoir, il était une fois, pour rassembler tout le monde qui l'a toujours, et qui aujourd'hui a, qui sont des frustrés de ce pouvoir que le président Matéli a mis en place, qu'il a donné à Jovenel Moïse le pouvoir d'être président, parce que nous sommes tout à l'heure, si pas bien Michel Matéli, pas bien Jovenel. Eh bien. C'est pré-final. Par exemple, quel monde en Haïti? Par exemple, quel monde en Haïti qui t'a baillé Jovenel pouvoir? Point final. Il peut être qu'un sénateur, il peut être qu'un Kazek, la Kaïn. Où est-ce que ça? Comment on dit? T'as une bonne déclaration, Félix, c'est un sénateur de Zénith. T'as un camé d'air. Ça, au 14 de l'autre semaine, il y a des baillés, il y a des fins de Paul baillés sous moi. Je n'ai pas de problème. Mais j'attends mon camé. Mais, moi, je dois clair la vérité. S'il n'y avait pas de Michel Matéli, pas d'abien Jovenel Moïse, parce que on dit pas d'abien Kazek, la Kaïn. Point final. On finit ça. Mais il est président de la République. Président Edo. Il est président de la République. Sénateur Edo. Oui. Est-ce qu'on pas croit que le pouvoir vient de Dieu? Le pouvoir vient de Dieu. C'est ça qui écrit, mais comme moi, bon Dieu, m'a connu. Eh bien, ok. Jovenel Moïse va faire politique et bon, ça, le sénateur a dit, il paraît censé. Parce que Jovenel Moïse n'est pas dans la politique et il n'est pas milité dans le parti politique. Après, maintenant, sénateur Edouzini, bon, et là, il est clair que tout le monde comprenne ce qui a passé là. Parce que nous, maintenant, nous analyser et nous commenter et nous faire débat. Mais maintenant, où clair, là. Donc, tout le monde comprenne que. Et la gâté là entre les deux messieurs, entre le président Joseph Michel Matéli et le président Jovenel Moïse. Mais m'a plutôt dit que les amis de Michel Matéli et nous catégoriquement et en face de Jovenel Moïse. Je m'a dit le président Matéli parce que c'est à lui de décider, c'est à lui de bien. Mais même m'a parlé au nom du président, je m'a parlé au nom de Edouzini, ancien sénateur, ancien magistrat ville, qui a fait politique toujours, mais qui quand il a gardé le pays à trajet, que tout le monde va mourir, nous tous dans le même bateau, nous dans le même avion, et comme si la doume dans le first class américain, et puis m'aller en dedans, et puis me comprendre que je ne peux pas mourir dans le first class là. Avec dit que parce que dans le first class, maintenant j'ai 3 fois par jour, je vais acheter belle machine, mon papa me quitte ça, grand-père me quitte ça, et puis même.